caressante et docile, je marche plus habile. Et je cherche et je trouve l'herbe de Monsieur Seguin. J'ai bien la vie facile, attachée à un fil. Somme toute, peu m'importe, mangeons jusqu'à la Saint-Glinglin. Il y a un jeune, il a fait 48 heures de garde à vue pour une olive. Mais c'est quoi ça? Attends, j'en ai pris des olives quand j'étais jeune, t'inquiète pas. Hein. Alors, on me mettait tellement d'olives, je chiais de la taponnade, je m'en souviens bien. Yes, I love. Yes. Yes, I love. Yes, yes, yes. Un problème? Je veux encore battre des hanches. Je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches à cœur qui va, à cœur battant. Avant que sonne l'heure blême et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. Moi j'adore les enfants, pour moi un enfant c'est sacré, vous voyez, je pourrais pas m'en passer. Pour moi un enfant c'est au quotidien, j'en ai besoin, hein, comme le café, voilà. C'est exactement pareil en plus, les enfants, le café. C'est vrai? On aimerait en avoir un dans son salon tous les matins au réveil? On sait que ça va finir par nous rendre nerveux. Mais alors qu'est-ce qu'on l'adore quand il est frappé? Le petit canard, il n'est pas pour moi, Anastasia. Non, il n'est pas pour... Non, le petit canard, il est pour jouer avec vous. Soso m'a dit un jour... Le mien, il tient, arrête les Africaines qui font le trottoir au centre-ville et ils leur disent « Soit tu me fais la spéciale, soit je t'emmène au poste. » C'est très courageux d'avoir un enfant. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on souhaite en faire? Pour les adultes. Alors moi, je réfléchis et je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonnes raisons. À part si tu habites en centre-ville. Oui. La fourrière n'a pas le droit d'enlever ton véhicule si un enfant est à l'intérieur. Ça fait quand même beaucoup de notes. Mais c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, monsieur, dame, que le type de chef Indus, il a fait ça. Et avec ça, il est devenu millionnaire. Les nuits sont trop courtes. Mais merde, les mecs, vous avez pas les mêmes nuits que nous. Je dis nous, parce qu'à partir de 22 cm, on peut considérer que c'est une personne. Ah, ça m'a fait rire, ça. Non, parce que nous, nos nuits, elles ressemblent plus à ça. Ah.